Et salut tout le monde, c'est Link, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu Super Mario Bros. Wonder. J'espère que vous allez bien, moi ça va, très content de vous retrouver pour continuer cette aventure dans laquelle on n'avance pas très vite je crois, mais c'est pas grave. Je prends plaisir et c'est tout ce qui compte, voilà. Du coup dans le dernier épisode, à la grande surprise, on a fait des niveaux dans le monde 2, voilà. Et on va continuer à faire des niveaux dans le monde 2. J'ai vraiment cru que j'allais tomber dans le vide ou un truc comme ça. D'accord, les nuages, ce n'est pas la mort. Ah oui, mais ça reste pas. Eh, eh. Ah, on peut sprinter dessus, ok. Mais... Oh! Ok. Ah, attendez, j'aimerais bien aller voir ce que dit la fleur en haut à droite. Elle dit juste salut? Bon bah merde, c'est pas grave. Je voulais retourner voir, mais c'est pas grave. Il y a des pièces violettes dans ce genre de niveau, trois grosses pièces à avoir. Ça me semblait très petit pour qu'il y ait des pièces. Non, non, il n'y en a pas. Grand saut flottant. Du coup, ça, c'est un nouveau badge qu'on n'a pas encore. Ou un truc qui va nous permettre de flotter, je dirais. En fait, je peux sauter un peu plus haut que d'habitude, il sautait légèrement. Allez, vas-y. Ouais, flotter c'est minime quand même. Hein. C'est un ratage. C'est un ratage complet. Évite de te faire mort. Oh non. Alors je suis pas fan du badge, hein, je le dis de prime abord. En fait le flottement, je sais pas comment appeler ça, je le ressens mais alors pas du tout. Ok. J'ai raté. Ah oui, trou de balle. Ok. Dernier saut. Enfin, pas de stress, hein. Un petit peu de stress quand même, mais c'est passé. On commençait avec les petits niveaux, maintenant on va s'attaquer à des plus gros niveaux. Mais ouais, je suis pas sûr pour le badge. Hein. Ah, attendez, il y a un truc à droite aussi, c'est vrai. Anne de combat marron du mont. Tu vas prendre quoi? Et du coup, il y a un type de power-up que j'ai pas encore débloqué. Oh bah. On part sur ça, hein. Mmh.
Bah oui! Qu'est-ce que je suis con, moi, des fois? Je vous jure. On peut recommencer, voilà, parce que... Parce que là, c'était pas très bien parti. C'est vrai que je pense jamais utiliser mon truc pour planer aussi. Oula, oula, attends. Non mais pff, j'oublie que en fait les trucs derrière lui ça fait des dégâts. Allez. On se sent pas au rub, du coup ça va être un peu compliqué maintenant, mais... Allons-y. Quoi? Mais putain, vous mettez un truc que j'ai jamais eu, moi je sais pas comment ça marche. D'accord, en plus ça dure qu'un certain temps. Non, 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 non. Mais comment on peut être aussi nul? Ou du coup, si je prends un dégât à chaque zone... Je pense que c'est ma partie pour, pour celui-là, mais... Voilà. Ah, je déteste ce genre d'ennemi là. Tu vas prendre quoi? J'aime pas ces ennemis. Ok, au moins on n'a pas perdu notre bonus pour l'instant. Bien. Allez, là ça devrait le faire. En fait, vaut mieux les attaquer par en dessous. Bien sûr, ce qui vient de se passer. Logique. Oui, j'ai eu les trois. Nice. Bon, maintenant on va faire du vrai niveau. On est parti, il faut 9 graines, on en a 19. On est bien. Parcours moelleux. Alors... On va recommencer. Non, parce que je sens qu'il y en a besoin, quoi. Il te donnerait pas ça, sinon. Enfin, quoique... Ça veut tout rien dire, ça. Wow, sound!
Ah, ça tombe à fond, peut-être que ça te fait remonter, c'est ça? Ah non, ça... disparaît. Le pauvre. Pas taper au-dessus, non. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant. Oh là! Ils se sont tapés en l'air! Incroyable! J'ai de l'eau, oh, ça fait longtemps l'eau. Attendez, ça va peut-être m'être utile l'eau. Gardons l'eau. Je pense qu'il y a encore plus haut en fait. Oui. Mais effectivement, il y a des choses intéressantes plus haut. Quel est le fuck? D'accord, faut pas que je me fasse écraser, je suppose. Mais vous imaginez, ça a plusieurs joueurs. Bordel. C'était pas prévu ça par contre, mais c'est cool. Non, bah, faut y partir de l'autre côté. Attendez. Ben, quand je fais ça? On part pas assez loin là, si? Ah si si en fait. Ok, c'était sympa. Ah, ça continue à droite. J'ai bien aimé. Mais merci. Merci, j'ai bien aimable à vous. Ah oui, intelligent comme souvent. Bon là j'étais sur le point de sauter. Vraiment. Je comptais pas rester là comme un débile. J'apprends un peu de mes erreurs. On dirait pas. On regarde comme ça, d'un œil extérieur, mais je vous jure que. Je fais ce que je peux. Hein. Oh, il est gentil le jeu parce que pour moi j'avais pas en haut. Bien aimable de sa part. Presque au sommet. On est presque atteint le sommet. Mais votre chemin est encore semé d'embûches. Tu faisais un saut au bazar de Poppin pour préparer. Oh, y'a mec. Oh. Ah du coup il y a un niveau sur le chemin. Forteresse volante du mont nébuleux. Peut-être un niveau sur des bateaux qui volent dans le ciel.
Haut, en hauteur. Ah, mais c'est pas des niveaux, ça avance tout seul. Ah, si. Ah, ça me fait pas des masses, ça. Oh. Attendez, mais tu peux, genre... Ah, tu peux le prendre, ouais. Prends le champi! Oh, merde. Oui! Pense sur l'ennemi! Trop de balles! Bon, on va être plus grand au moins. Pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? On réapparaît petit. Je suis fou, moi. Ah, une tête en faisant une attaque tape cul, je peux le casser ça. Mais voilà. Non! La musique a l'air trop stylée. La musique est classe, hein. Moi j'aime beaucoup. Non, non, non. Ok. Petit moment de répit là. Ah oui, un checkpoint. On aime les checkpoints. Ah, du coup, ça s'active, ça déclenche direct. C'était pas prévu, mais... Vite, prends-la. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, 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 quoi? Non, mais non. Mais comment on casse ça? Ah, lui qui tire dessus, peut-être. Oh non, mais ça va être un truc chaud. Va falloir le faire tirer dessus, là. J'ai chaud là. Elle a la graine. On n'est pas à la fin encore. Je me suis dit, il y a la graine, on n'est pas loin. Non, 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 encore un checkpoint. Mais oui, bien, idiot. C'est possible d'être aussi con, hein. Mais c'est pas possible d'être aussi débile dans la vie de tous les jours. Je stresse. Ah, ok. Ah, du coup, ça va être un mini-boss ou un truc comme ça? Ah non. Ah si. Ah, c'est bien gentil, ça. Super utile. Oh, ça va, easy. Thank you.
C'est facile. D'ailleurs, c'était pour faire une petite ref au... les jeux Mario, ça, le gros bouton à droite. Je suppute. Voilà, j'ai vraiment eu la frousse de ma vie. Faut dire que j'ai le vertige en même temps. T'as dit, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai qu'il y a un badge pour t'aider en cas de chute dans le vide. Et il serait vendu sur ce mont en plus. Ah, si un temps que si tu veux que je change de badge, tu n'as qu'à appuyer sur R. D'accord. Quitte du badge rebond salvateur pour chuter sans crainte. Bien sûr, tu peux acheter un peu de tout ici. À chaque chute dans un trou, un marais toxique ou de la lave rebondissait une seule fois automatiquement. Ah, voilà qui peut être intéressant. Pour augmenter nos chances de survie. Je sais qu'on peut acheter plusieurs panneaux par marchand, mais j'en achète qu'un pour l'instant à chaque fois. Alors, force encastrable ou décompte céleste. Ça a l'air sympa, ça. Faisons le décompte céleste. Ah oui, quand tu sautes dessus. Je vois où vous voulez en venir. Ah, mais il fait pas mal lui en fait. Il te fait rebondir. Ouais, bon, j'ai pas eu les pièces en haut, c'est pas très grave. Ça fait quoi ça? Ok. Et du coup, faut être un peu stratégique dans ce qu'on fait. Ça me plaît. Bim. Et c'est par là. C'est bon, un truc à la fin. Ah, je l'avais pas vu. Ah, moi, je m'attendais à une grosse pièce violette. Je suis un peu déçu. Qu'est-ce que ça va être? Ça peut être utile. Ok, alors. Ah, non, 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 non. Comment je fais pour avoir en dessous, là? Ah, faut que je prenne... Voilà. Oh, ça va être marrant, ça. Ah, il va pas falloir rater. Ah, je suis allé trop vite. Ah, ne va pas trop vite. Oui. Rebonjour. Rebonjour. Merde, je vais mourir. Ah, j'ai pas réussi à sauter sur le truc. Je suis nul, mais j'utilise pas mon badge aussi. Qu'est-ce que ça va être? Du coup, ça comptabilise? Oui, j'ai déjà la graine. On va pas refaire le truc là. Non pas que c'était chiant, mais...
Voilà, c'est quand même bien plus pratique avec lui. Après, ça va pas rester indéfiniment en fait. Je pense que je m'en fous du bonus que ça va me donner. Faut que j'attende la... plateforme. Ou alors je m'occupe de lui. Non, 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 non. Et pourquoi j'utilise pas mon badge? Je pourrais me sauver avec mon badge. J'en ai marre d'être con. Comment on fait pour réfléchir un peu dans la vie? Oh non, mais ça c'est nul. Ça c'est le plus inutile que je pouvais avoir. Ah, c'est vraiment d'une inutilité. Ah, mais du coup, tout donne des... Ah, je savais pas ça. Je découvre des trucs. Waouh, c'est ridicule. Ça va tomber, ok. Alors comment je vais passer là concrètement? Ah, elle revient à la plateforme, ok. Mais ça se trouve, faut le nuage pour faire des trucs plus loin. Et pourquoi à chaque fois je me dis que ça va l'écraser? Je suis con. Oh, c'est réussi. Je sais pas comment j'ai réussi, mais c'est réussi. Bon, ça a été un peu galère. Mais c'est bien passé au final. Et on débloque un petit niveau aussi. Intermède sur les rails. Oh, c'est un truc que ça va vite. Ça va me plaire. Daisy, la princesse Sarah Saland. Ok, je découvre, on découvre des choses. Magnifique. C'était un peu random ce que j'ai fait, mais... magnifique. Ok, vraiment, les niveaux comme ça, c'est... c'est là pour le fun, hein. Ça dure pas longtemps. Alors, force encastrable du coup. Ah bien, intelligent. C'était sûr que ça allait faire un truc comme ça et... j'ai quand même bien foncé dedans. Oh, les plateformes disparaissent. Ah! Je comprends le principe. Ah, j'aime bien le principe. Idiot. Pas taper de plus dessus. Oh non, non. Oh, merde. Même comment tout ça, le truc à droite. Ah, si t'avais assez d'allonge, ça allait assez loin.
débile des fois, mais c'est pas possible. Je suis tellement obstiné en fait sur des trucs que je perds du coup des fois. À cause de ça. Ah, ça faisait apparaître la fleur, donc j'ai bien fait de m'obstiner quand même. C'est bien de s'obstiner, il faut arrêter d'aller trop vite par contre. Ah, j'ai pas aimé ça. Salut. Non, ça c'est sûr. Bah oui, mais vous l'avez fait spawn devant moi, quoi. J'ai raté. Je rate. Ça va que, hein. Mais attendez, pour l'avoir. Oh, les enfoirés, pour l'avoir, il fallait être assez haut à la fin. Ok. Waouh. C'est joué pas grand chose en vrai. Et des fois quand même je mets de pattes hein, parce que ça c'est des trucs je me serais pas vu y arriver au début du jeu. De sauter sur les ennemis comme ça. Ça c'est un truc en vrai ça m'a. Justement c'est pour ça que les Mario 2D. Ça m'a jamais trop attiré parce que c'est un truc souvent qu'il faut faire c'est dans les Mario 2D de sauter sur les ennemis comme ça mais. Moi ça me fait stresser. Je me sens pas apte à faire ce genre de truc. Allez, finissons ce monde. En allant au palais du monde nébuleux. Bon, on va garder ce badge, mais il faudrait que je pense à l'utiliser plus souvent. Je sais même pas comment j'arrive à faire ce saut. Ah, c'est quand tu retombes, faut que t'appuies. Ok, d'accord. Je suis pas très intelligent, ok. Ouais, il me semblait bien avoir vu que... Ah, c'était genre pour se débarrasser de l'autre facilement, ok. Ça fait rien ça en contrepartie, ça te fait juste tomber dans la lave. Enfin, la lave, je sais pas comment appeler ce truc, mais... Non, mais non, mais... Non, mais... Vraiment, quoi? Vraiment? C'est ridicule de mourir comme ça, mais personne meurt comme ça. Personne meurt parce qu'il a oublié de sauter. Et genre, là, ça a quoi? Je pige pas. Ah! Là, je pige. Alors, ah! Et ça a aucun impact sur l'environnement de me baisser. Ah si, ça fait tomber des pièces par endroit. Non! Le stress et son paroxysme.
Ah, il y a une pièce en dessous. Attendez, ça s'est pas baissé là justement tout à l'heure, non? Bon, j'y vais. Là. Nope, 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 nope. Elle meurt, vas-y, hop. Oh, je stresse tellement. Ah, je stresse. Ok, je crois que j'ai stressé. Au cas où on n'aurait pas compris. Yes, pas de power-up encore. Non, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de power-up de toute façon. On s'en sort très bien sans. Bien, vous êtes là, vous. Vous avez grimpé jusqu'ici pour jouer avec moi. Ça va pas dû être facile, alors je vais être gentil et jouer avec vous. On va jouer à Surper. Avec une puissance prodigieuse, je collais une frousse dont vous ne remettrez pas. Oh, l'autre. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, il va se changer de forme, du coup, je suppose. Oh, de la glace. Comme c'est sympathique, comme on aime la glace ici. Ah, du miel ou quelque chose dans ce genre en tout cas. Non, 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 non. Oh, l'enfoiré. Bim! Ok, il a remis de la glace. Bon, après, je vois pas ce que ça va changer, hein, parce que... Ok. C'était une bonne tentative, mais ça n'a pas marché. Par contre, ouais, les mini-boss, enfin les mini-boss, les boss de chaque zone, ça va pas être que Bowser Junior à chaque fois quand même. Un peu dommage. Bon, après, s'il y a des changements comme ça, c'est sympa, mais... Bon, c'est vrai que c'est pas fou non plus, quoi, c'est que lui. Ok. Pourquoi pas. Nos héros détenaient enfin la graine royale du monde nébuleux. Mais le chemin qu'il leur reste à parcourir est semé d'embûches et de dangers. Sauront-ils surmonter tous les obstacles? Leur utilisation des badges fera toute la différence. Oui, oui, oui. L'utilisation des badges, oui, bien sûr. Je la maîtrise totalement. C'est vraiment... Voilà. Je fais un avec les badges. Disons une fleur hélico pour retourner aux îles florales. Il y a pas mal de vent à cette hauteur, alors accroche-toi bien. Eh bien, allons-y. Retournons aux îles florales. Oh, graine royale. Fais ton œuvre et chasse un des pilins de nuages piranha qui protège Bowser.
Nice. Youpi, ça a marché. Merci du coup de main. Continue comme ça. Prochaine destination. Ah ah, les chutes dorées. Je suis sûr qu'on trouvera un canon royal sommet d'une de ces chutes. Ah, d'abord vers l'est en direction des chutes dorées. Oh, il y a une course de Wiggler. C'est qui toi? Bonjour Altesse, la pêche, votre aventure se passe bien? En parlant de pêche, j'ai encore rien attrapé, mais j'ai remonté une bouteille avec un drôle de message dedans. J'ai qu'un poisson avec le badge coup de dauphin. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ok, ouais, non mais merci, mais... Ok, du coup, il y en a 4 autres. Des plantes qui protègent. Du coup, ouais, il y a 4 autres royaumes. Oui, en haut à droite, oui, oui. En tout cas, 4 autres royaumes obligatoires, parce que il semble qu'il y en ait un, voilà, spécial, en plus. Swiggler, ah, aquatique, ah, c'est dommage, on était proche de la perfection. Quel dommage. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, parce que du coup, il a une bonne durée, et puis on a fini un monde, c'est cool. Un épisode pour terminer un second monde. En vrai, 3 épisodes par monde. En tout cas, pour, enfin, on a fait que 2 mondes, mais pour l'instant, ça a l'air d'être ça le quota. Donc, j'espère du coup que cet épisode-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye.